بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، من هذا اليوم إن شاء الله سندخل في بر الدروس متعلقة بالتوحيد qui seront en relation avec le tawhid. وهي مأخوذة من كتاب الواجبات متحتمات. On va les prendre en résumé. تمهيدا لما سيأتي إن شاء الله من دراستنا في كتاب التوحيد إن شاء الله بعد هذا. Donc en premier lieu, on va prendre une approche du tawhid. باب المذاكرة وسخبل. أولا، pourquoi le tawhid, c'est la chose par laquelle il faut commencer, parce que c'est la chose par laquelle ont commencé les prophètes, alim salam, avec leur peuple. Leur appel principal était ce point-là, qui est le point décisif et le point de distinction entre les croyants et les kuffar, mécréants et mushrikin. At-tawhid. Wa qabla hadha, le tawhid, c'est la raison pour laquelle Allah Azza wa Jalla nous a créé. Comme a dit Ta'ala, wa ma kharaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Et je n'ai créé les hommes, les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc les djinns, qui sont des créatures invisibles créées de feu, et les hommes, qui sont les fils de Adam alayhi salam, créés à partir de terre, d'argile, sont les mukallafun à la wajil ard, ceux sur qui s'imposent les charges religieuses. Pas les animaux, pas la végétation, même pas les malaïka. Ce ne sont pas mukallafun comme nous. Ils ont été créés que pour obéir. Ils ne nous obéissent pas. Celui qui a reçu le taklif, sur qui s'imposent les charges religieuses, obligations, interdictions, recommandations, détestations ou autorisations, tout ça c'est pour qui? Pour l'homme et pour le djinn. C'est lui qui est soit récompensé ou soit châtié, si Allah Azza wa Jalla le veut, pour ses actes. S'il fait un acte de bien, légiféré, il en mérite la récompense. Et s'il fait un acte de mal, il mérite le châtiment. Voyez. Et au final, c'est paradis ou enfer. Ce paradis est destiné aux muwahidin, aux gens qui auront unifié Allah Azza wa Jal. C'est tout. Et ce, depuis la venue de Adam alayhi salam jusqu'à la fin des temps. Ce Jannah, ce paradis, n'est que pour ceux qui ont unifié Allah Azza wa Jal dans l'adoration. C'est tout. Donc les croyants. Donc ce tawhid est le socle de la da'wah depuis la venue de Adam jusqu'à la fin des temps. L'appel des anbiya. Et tout appel qui n'est pas basé sur le tawhid, il est vain. Il va amener à quoi? À l'échec. Il va amener à l'échec. Donc c'est là-dessus qu'il faut être le plus, faut plus miser. Quand tu appelles un kafir à l'islam, les bons comportements c'est bien, les bonnes valeurs c'est bien, mais le plus important c'est le tawhid. C'est le tawhid. Car c'est par le tawhid que sont acceptés les œuvres ou rejetées. Tu vas trouver certains kuffars, ils ont un bon comportement, ils ont des bonnes valeurs, peut-être meilleurs que certains muslimines. Est-ce que pourtant ça va les faire entrer au Jannah? Là, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le tawhid. Et des muslimounes, ils n'auront pas de bon comportement, ils auront des mauvaises valeurs, ils auront beaucoup de péchés, mais comme ils auront le tawhid, ils vont rentrer au Jannah. Donc c'est ça le plus important. Donc le tawhid, ma'ahu, tawhid, on traduit cela par unicité. Unicité. Et c'est le masdar de wahada yuwahidu. Ay antajal shay wahidan. D'accord? C'est le masdar du verbe wahada yuwahidu. Et ce verbe est venu dans le hadith de Mu'adh ibn Jabal, dans une des versions. Qu'a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il l'a envoyé au Yémen faire da'wah aux gens du livre, il lui a dit: innaka la takdumu ala qawmin min ahli kitab,
فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. أن يوحدوا الله. Tu vas certes arriver auprès d'un peuple parmi les gens du livre. Les gens du livre sont les Nassara, les Yahoud, appelés gens du livre parce qu'ils ont reçu des livres auparavant. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a averti Mu'az, qui va se rendre chez eux. Il lui a dit, ce sont des gens qui ont un ilm. Ils ont un savoir lié à la religion. Donc, sache que la première chose à laquelle tu dois les appeler, c'est quoi? À ce qu'ils unifient Allah dans la religion. Donc, ce mot, il a une origine. Car des gens prétendent que le mot Tawhid n'a pas d'origine dans la religion. On dit, il a une origine. Il a une origine. Ma'anawiyya ou hissiyya. Dans le sens qu'on a trouvé présent, et dans, également, dans son sens, min haythu annahu wal maqsoud. Les textes appellent à cela. Même si le mot en lui-même n'est pas employé, les textes appellent à cela. Et il a été interprété comme cela dans le verset d'Allah Azza wa Jalla où il dit, وَمَا خَرَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. قال ابن عباس رضي الله عنه أي يعبدون أي يوحدون. C'est quoi le sens qu'ils m'adorent et qu'ils m'unifient dans l'adoration. Que leur adoration ne leur soit vouée qu'à moi. C'est ça le ma'ana. Et le tafsir du Coran, il se fait par quatre choses. Un, le Coran par le Coran. Un verset soit expliqué par un autre verset. Deux, par la sunna. Qu'un verset soit expliqué par la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il est authentique. Et trois, c'est le shahid de ce qu'on vient de dire maintenant, par les paroles des salafs, des sahaba. Pourquoi? Car ce sont eux qui ont été présents lorsque le Coran est descendu. Donc ils savent pourquoi il est descendu, en quelles circonstances et dans quelle intention. Et la langue arabe, c'est leur langue maternelle. Ils la maîtrisent plus que tout le monde. Et ces gens-là, Azza wa Jalla les a élevés car ils ont été ceux qui ont été autour du Nabi sallallahu alayhi wa sallam lors de son parcours et de son travail qui était d'appeler les gens à l'islam. Donc ils savent pourquoi il a dit telle chose, à tel moment et à qui il l'a dit. Et comment il agit en conséquence. Tout cela, ils le savent. Ce sont les gens les plus savants qu'il y ait sur terre. Le niveau le plus haut chez l'être humain, c'est d'être un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après les prophètes, les meilleurs des hommes sont les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Plus que les hawariyoun de Isa. Plus que les compagnons et suiveurs de prophètes. Ce sont les derniers qui sont venus, qui ont été avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est le meilleur des prophètes et des messagers, donc son entourage sera le meilleur des entourages. Et il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, khayl qarni wa khayl an-nas qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Que le meilleur des gens sont ma génération, c'est-à-dire lui, ses compagnons. Après il a dit ensuite ceux d'après eux, c'est-à-dire ceux qui ont connu les compagnons mais qui n'ont pas connu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On les appelle at-tabi'in, les suiveurs. Et après il a dit ceux d'après, ceux qui ont connu les tabi'in. C'est-à-dire ceux qui ont connu, la génération de ceux qui ont connu, les compagnons. Ah. Nous, notre suivi est basé sur ces gens-là. Le prophète en premier lieu, ses compagnons en second, la génération d'après en troisième, et la génération d'après en quatrième. D'accord ? Et ce qui est unanime entre ces générations-là, il n'y a même pas à discuter. Il n'y a pas à discuter. Et ça, ce qu'on appelle ça, la salafiyya. Suivre ces gens-là. D'accord ? Et c'était eux les salafs. On dit le mot salaf, en premier lieu, on vise par là, les compagnons. Après, toute personne qui est venue après eux, et même aujourd'hui de façon générale, le mot salaf s'applique à toute personne qui est déjà décédée, mais qui était sur leur voie. On peut dire que, Masalem, Cheikh Mokbul, c'est un salaf. Pas comme le sahaba, mais c'est un salaf pour nous maintenant. Cheikh Al-Albani, c'est un salaf. Cheikh, Masalem, Ahmed Ansari, c'est un salaf. Shawkani, c'est un salaf. Ibn Taymiyyah, c'est un salaf. Quand même, hakada, jusqu'à ce qu'on revienne aux sahaba. Mais quand on dit salaf, al-Taqihi, ce qu'on veut dire par là, ce sont les compagnons. Donc le salafi est celui qui s'apparente à ces gens-là. Ce n'est pas une secte, ce n'est pas un groupuscule, d'accord ? C'est une personne qui est sur l'islam, sur lequel se trouvaient les premiers. Donc, l'islam le plus pur qu'il soit. Même. Alors, comme le Ta'ala, fait une amadou bi muslima man tumbi fa qad ihtadaw. Et s'ils croient en ceux en quoi vous avez cru, ils seront sans guider. Donc, hada. Donc, le tawhid,
pour revenir à ça, le verset est expliqué par qui ? Par Ibn Abbas, qui était, avec Ibn Mas'ud, parmi les plus grands mufassirin du Coran, parmi les Sahaba. Non. Donc ce tawhid, c'est la clé du Jannah. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولا يشرك بالله شيئا دخل النار ومن مات ولا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. Celui qui meurt sans avoir rien associé à Allah, ou plutôt en ayant associé quelque chose à Allah, ira au feu. Et celui qui est mort sans avoir rien associé à Allah, ira au Jannah. Et le shirk, on va en parler par la suite également, qui est le contraire de tawhid. La page. Ce tawhid, c'est un, c'est une chose sur laquelle tu verras beaucoup de musulmans dire tawhid. En étant yéb, c'est un début. Mais par la suite, sa réalité et son essence n'a été assimilée que par très peu d'entre eux. Le tawhid, unifier Allah azawajal, est une chose qui était mal comprise par beaucoup. Ce tawhid, il est de trois sortes. Ce tawhid est de trois sortes. كما هو معلوم. Et ces trois sortes-là n'ont pas été désignées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, ni par le Coran explicite, mais il était déduit des preuves. Comme il y a eu l'istikra wa tatabwa. Quand les ulama regardaient les textes religieux, l'ayat al-Qur'aniya ou l'ahadith al-Nabawiya, ils ont que le tawhid revenait à trois catégories. Cette unicité, on vient dans trois domaines. Et certains l'ont divisé en deux. Et ces deux regroupent les trois domaines également. Les aqsam, les trois connus, que beaucoup connaissent et qui sont enseignés, c'est awwalan, en premier lieu, tawhid ar-rububiyya. Tawhid الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية لونسيتي الله عز وجل dans sa seigneurie. وإفراد الله بأفعاله. C'est unifié Allah dans ses actes. Parce que Allah عز وجل, il fait, il n'y a que lui qui peut le faire. On doit l'admettre, ce point-là. Que personne ne peut faire ce que Allah fait. On va y revenir, Inch'Allah. Deuxième point, tawhid al-uluhiyya. Il y a quelque chose avec tawhid al-ibada. C'est ifradullahi bil-ibada. C'est le tawhid de l'adoration. C'est le fait d'unifier Allah dans l'adoration. Que tout acte de culte d'adoration doit être donné à Allah seulement, exclusivement et à personne d'autre. Après, il faut que les gens apprennent, ça veut dire quoi? Ibada, c'est quoi une adoration? Et ça également, Inch'Allah, on va en parler. Et ce tawhid-là, c'est celui-là sur lequel il y a la divergence entre nous et les kuffars. Car le premier, la plupart des gens, ils l'ont. Le deuxième, c'est là qu'il y a une grosse défaillance. Même chez des musulmans. Troisième catégorie de tawhid, c'est tawhid al-asma'i wa sifat, qui est ifradullahi bi fi asma'i wa sifatihi. C'est le tawhid, l'unité d'Allah Azzawajal dans ses noms et attributs. Que Allah Azzawajal, il a des noms qui s'est donné à lui-même. Il a des attributs, des caractéristiques qui lui sont propres, qui ne sont qu'à lui-même. Et que l'on ne trouvera pas chez la créature. Si ce n'est seulement la nomination. Mais le comment, on l'ignore. Leur réalité, on l'ignore. Mais le sens, on les connaît. Et dans ce domaine-là également, beaucoup de gens se sont perdus.
et beaucoup de gens dans, parmi les gens de l'innovation, les groupes égarés. Donc c'est le fait d'unifier Allah Azza wa Jalla dans ces noms. Ces noms-là ne sont qu'à lui. On n'aime pas autre qu'Allah par ce nom-là. Ces attributs-là ne sont qu'à lui. On ne peut les attribuer à autre que lui. D'accord ? On ne peut les attribuer à autre que lui. Donc c'est ça les trois tawhid. Tawhid al-Rububiyya, tawhid al-Uluhiyya, wa tawhid al-Asma wa Sifat. Ces trois tawhid, on les trouve dans Al-Fatiha, que l'on récite au minimum 17 fois par jour dans le salawat al-Maktouba. يقول الحمد لله رب العالمين louange à Allah Seigneur de l'univers. Ça c'est à ce moment sifat que Allah quand même c'est parmi ses noms رب العالمين également tout comme c'est également seigneurie الرحمن الرحيم ça c'est à ce moment sifat nom et attribut الرحمن parmi ses noms, Ar-Rahim, parmi ses noms. Malik Yawmiddin, Seigneur du jour de la résurrection. Ça, c'est également seigneurie. C'est Allah qui aura le contrôle ce jour-là. Et qu'il aura, il l'a tout le temps eu. Il l'a toujours et il l'aura toujours. Mais là, il l'a particularisé pour ce jour-là, qui est le jour où, qui sera le plus important pour tout le monde, le jour où on va rendre les comptes. Donc c'est Rububiyya, c'est lui qui va juger. Parmi ses actes, Al-Hukm, il va juger entre nous. Et après on dit quoi ? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est auprès de toi seulement que nous cherchons de l'aide. Donc ça c'est quoi ? Tawhid al-ubudiyya, al-uluhiyya, tawhid dans l'adoration. Iyyaka na'budu, c'est toi seul. Ça regroupe les trois. Donc si quelqu'un te dit c'est quoi la preuve, tu le dis tous les jours tu la récites dans la Fatiha. Mais il faut méditer le sens des versets. Autre verset qui réunit les trois ensemble, c'est surat Maryam. Allah Azza wa Jal, Rabbus samawati wal ard wa ma baynahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Hal ta'lamu lahu samiyya. Rabbus samawati wal ard, Seigneur des cieux et de la terre. C'est quoi ça? Tawhid, Rububiyya, la seigneurie. Fa'budhu wastabir li'ibadati. Adore-le et sois constant dans son adoration. C'est quoi ça? Tawhid, uluhiyya, ibada, de l'adoration. Hal ta'lamu lahu samiyya. Est-ce que tu le connais? Un homonyme, un égal. Quelqu'un qui a le même nom que lui, qui lui soit égal. Donc ça revient à quoi? Attribut et nom. Asma sifat. Les trois sont réunis dans un même verset. Donc ça, ce sont des preuves de la chose, pour qu'ils viendraient à vouloir comprendre ou discuter sur le sujet. Et comme on le disait, ça c'est les aqsam salasa qui sont ma'roufa. Maintenant, les mutaqaddimin, les savants plus anciens, ils l'avaient divisé en deux sortes de tawhid. Qalu, tawhid, ça veut seulement entendre deux sortes de tawhid, dis pas c'est quelque chose de nouveau quoi, c'est la même chose. C'est juste que ça a été classé d'une façon différente, mais ça revient au même point. Ils ont dit Tawhid al-ma'rifah wal-ithbat. C'est Tawhid de la connaissance et de l'affirmation. Et ça revient à quoi? Au Rububiyya wa asma wa sifat. Ma'rifah, ma'rifatillah wal-ithbat, uthbit Rububiyya lillah. Ce Tawhid-là regroupe les deux en même temps qui sont Rububiyya, seigneurie, asma wa sifat, nom et attribut ensemble. Et le deuxième, ils disent Tawhid al-qasd wa talab. Tawhid al-qasd wa talab, qui est le Tawhid dans l'objectif et dans la demande. Ça revient à quoi? À l'adoration. Ton objectif, c'est de plaire à Allah Azza wa Jal. Et le talab, c'est ta demande pour lui par tes actes d'adoration. Que cela n'est que pour lui. Donc, si tu attends ces deux formes de Tawhid, Tawhid al-ma'rifa wa al-ithbat, ça c'est Rububiyya wa asma wa sifat. Et après ils te disent Tawhid al-ma'rifa wa al-ithbat, là c'est Tawhid al-ubudiyya wa al-uluhiyya. Al-qasd wa talab. T'entends Tawhid al-qasd wa talab, c'est Tawhid al-uluhiyya wa al-ibada. C'est la même chose.
puisque eux, ils ont joué entre certains dans un même classement. La Fumala, on a terminé à l'aujourd'hui. وإن شاء الله من الغال سنتخو في التفاصيل المختصرة plus de détails sur les autres points بإذن الله تعالى. Maintenant ces durous ils seront courts, ça ne veut pas dire comme certains disent que le tawhid tu l'apprends 10 minutes à Badan. Le Nabi صلى الله عليه وسلم il a passé sa vie entière pour le tawhid. Il y a plus insisté lorsqu'il était à Mecca auprès de Quraysh pendant 13 ans. Tawhid, pourquoi? C'était pour former les gens et ancrer cela dans leur cœur. Ça commence par ça, le tout. C'est le fondement principal de la religion. Celui qui n'a pas ça, tout le reste va s'écrouler par la suite. D'accord? C'est la chose la plus importante. Donc là, tu vas avoir quoi? Une approche. Mais tout le reste, il y a plein d'abweb, plein de beb dans le tawhid. De toute ta vie, tu n'auras peut-être jamais fini pour pouvoir toutes les assimiler. Mais une approche de la base principale te permettra de toi-même de pouvoir en déduire certaines de temps à autre. Et d'autres, elles ont besoin de précision. Plus.